Coucou les petits loups, prêts pour la deuxième partie de Vive la France? On y va. Benjamin passe alors par là. Bouboule, va dire à ces imbéciles que ce sont des crétins. J'aime pas quand tu m'appelles Bouboule. Ah oui, Bouboule. Non, pas Bouboule. Pourquoi, Bouboule? Je veux plus que tu sois mon chef. C'est ça, le patapouf avec les filles et les étrangers. Voilà comment il y eut 6 enfants de moins dans la bande de Lucien. Très en colère, Lucien appelle Loïc et Mathieu. Allez casser la figure à ces minables. Oh, j'aime pas me battre. Moi non plus. Trouillard. Tu n'as qu'à y aller toi-même. Nous, on préfère jouer avec eux. Dégonflés, femmelettes. Voilà comment il y eut 8 enfants de moins dans la bande de Lucien. Dans l'ombre de Lucien, Jérôme a assisté à toute la scène. Il admire Lucien qui parle haut et fort. Mais en même temps, Lucien lui fait peur. Surtout quand il a les poings serrés et les yeux qui lancent des flammes comme en ce moment. Aussi, Jérôme préfère s'éloigner à pas de chat. Où vas-tu? Ben, on n'est plus que deux. Tu m'abandonnes? Non, mais je... C'est ça, va-t'en, sale traître. Voilà comment il y eut 9 enfants de moins dans la bande de Lucien. Hors de lui, Lucien monte sur un banc. Il hurle, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Kélifa vient alors vers lui. Elle dit à Lucien, tu aboies comme un chien qui a peur. Descends de là et viens jouer avec nous. Vous n'êtes pas comme moi. Comme tu veux. Voilà pourquoi, dans la cour de cette école, de ce village, de ce pays, Lucien resta seul avec l'unique enfant pareil que lui. Lui. À bientôt les petits loups pour une autre histoire. Thank you.